Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Petite mise à jour Samsung avec la toute nouvelle mise à jour Samsung avec One UI 4.1. Et il y a du lourd, les amis. Il y a vraiment du lourd. Il y a vraiment du lourd. On est sur une mise à jour conséquente. One UI 4.1 vous offre un max de nouveautés sur vos smartphones Samsung sur Android. C'est vraiment le top. Cette version est compatible avec les derniers flashies de chez Samsung. N'hésitez pas donc à aller voir dans Paramètres, Mise à jour, lancer la recherche de mise à jour et si cette mise à jour est disponible pour vous, elle va apparaître tout de suite sur cette forme. Je vais tout de suite vous faire écouter ce que va vous apporter cette mise à jour. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle mise à jour. On part pour l'installation, c'est parti. Mise à jour de One UI 4.1. One UI 4.1 vous offre les dernières fonctionnalités pour vos appareils Galaxy. Plus intuitif, plus amusant, plus sécurisé et plus facile que jamais. Découvrez les modifications ci-dessous. Appareil photo. C'était plus facile que jamais de prendre de superbes photos et vidéos. Portrait de nuit amélioré. Réaliser des portraits époustouflants, même en cas de faible luminosité. Les photos de nuit sont désormais prises en charge dans le mode portrait. Galerie. Profitez davantage de vos souvenirs. L'application Gallery offre des fonctionnalités améliorées permettant de remasteriser et d'organiser vos photos et vidéos, ce qui rend le partage encore plus facile. Remasterisation puissante rendez vos photos plus belles que jamais. Affinez les visages flous, corrigez les distorsions sur les TV ou sur les écrans d'ordinateur et augmentez la luminosité et la résolution. Plus de suggestions, obtenez de l'aide pour créer des portraits artistiques et des moments forts. L'application Gallery vous proposera les meilleurs effets pour vos photos. Ajoutez des effets de portrait. Vous pouvez désormais ajouter un flou en arrière-plan de toute photo sur laquelle figure une personne. Éclairage des portraits. Réglez l'éclairage des portraits, même après les avoir réalisés, pour être sûr de toujours obtenir la photo parfaite. Convertissez les photos avec mouvement inutile en image fixe. Économisez l'espace de stockage en convertissant les photos avec mouvement en image fixe. L'application Gallery propose des images où les mouvements ne sont pas nécessaires, comme les documents. Partagez des albums sous forme de lien. Il n'est plus nécessaire d'inviter individuellement des personnes à des albums partagés. Il suffit de créer un lien pouvant être partagé avec n'importe qui, même si la personne en question ne dispose pas d'un compte Samsung ou d'appareil Galaxy. Toutes vos invitations réunies. Acceptez facilement les invitations aux albums partagés, même si vous manquez les notifications. Les invitations auxquelles vous n'avez pas encore répondu s'affichent en haut de la liste de vos albums partagés. Réalisez des vidéos en timelapse. Transformez une image en une saisissante vidéo en timelapse de 24 heures. Une touche s'affiche pour les photos de paysages, notamment le ciel, les étendues d'eau, les montagnes ou les villes. Votre vidéo s'affiche comme si une journée entière s'était écoulée. Airzone. Exprimez-vous comme jamais auparavant grâce à la réalité augmentée. Créez vos propres emojis, autocollants, gribouillis et autres. Plus de décoration pour les emojis de vos autocollants. Révélez votre style unique en ajoutant des gifs de teneur comme décoration pour les AR emojis de vos autocollants personnalisés. Ajoutez plus à vos AR d'ordre. Créez des autocollants 3D en analysant des objets du monde réel, puis en les ajoutant à votre AR d'ordre. Vous pouvez également ajouter des gifs de teneur et de gifi. Couleur d'arrière-plan en mode masque. Restez concentré, sur votre AR emoji tout en le portant comme un masque. Choisissez parmi une variété de couleurs à utiliser comme arrière-plan. Smart Widget. Les widgets de votre écran d'accueil deviennent plus intelligents. Choisissez simplement les widgets que vous voulez et laissez votre Galaxy faire le reste. Regroupez les widgets ensemble. Économisez de l'espace sur votre écran d'accueil en combinant plusieurs widgets en un seul Smart Widget. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler vos widgets ou réglez-les pour qu'ils pivotent automatiquement afin de vous afficher les informations les plus pertinentes en fonction de votre activité. Obtenez des suggestions sur votre écran d'accueil. Votre Smart Widget vous indiquera l'heure de charger vos Galaxy Buds, l'heure de vous préparer pour un événement sur votre calendrier et plus encore. Google Duo. Restez en contact grâce à des appels visio de haute qualité. One UI vous offre des fonctions exclusives. En faire plus durant les appels visio. Vous pouvez partager l'écran d'une autre application pendant un appel visio dans Google Duo. Regardez YouTube ensemble, partager des photos, explorer des cartes et bien plus encore. Participez à des appels visio en mode présentation pendant un appel visio sur votre téléphone. Vous pouvez participer au même appel sur votre tablette en mode présentation. Vous partagez l'écran de votre tablette avec les autres participants tandis que le son et la vidéo se poursuivent sur votre téléphone. Samsung et Alt. Obtenez des informations plus précises sur votre santé et un meilleur suivi des exercices dans la dernière version de Samsung et Alt. Obtenez des informations sur votre composition corporelle. Fixez des objectifs pour votre poids, votre pourcentage de graisse corporelle et votre masse de muscles squelettiques.
Vous obtiendrez des conseils pour atteindre vos objectifs. Adoptez de meilleures habitudes de sommeil, suivez votre sommeil et recevez des conseils en fonction de vos habitudes de sommeil. Suivi amélioré des exercices sur votre Galaxy Watch 4. Vous pouvez définir des objectifs d'entraînement par intervalle avant de commencer à courir ou à faire du vélo. Vous recevrez un rapport sur votre téléphone lorsque vous aurez terminé. Votre montre peut également fournir des informations sur la transpiration lorsque vous courez et sur la fréquence cardiaque de récupération lors des entraînements d'aérobic. Smart Switch. Transférez les contacts, les photos, les messages et les paramètres d'un ancien téléphone ou d'une ancienne tablette vers votre nouveau Galaxy. OneUI 4.1 vous permet de transférer plus que jamais. Plus d'options de transfert, vous disposez de 3 options pour transférer du contenu vers votre nouveau Galaxy. Vous pouvez choisir de tout transférer, de transférer uniquement vos comptes, vos contacts, vos appels et vos messages, ou encore d'accéder à personnaliser afin de choisir exactement ce que vous voulez transférer. SmartThink Find. Retrouvez votre téléphone, votre tablette, votre montre, vos écouteurs et bien plus encore avec SmartThink Find. Recevez des notifications lorsque vous égarez quelque chose, faites en sorte que la recherche des objets perdus devienne de l'histoire ancienne. Vous pouvez choisir de recevoir des alertes lorsque votre Galaxy Smart Tag est trop éloigné pour se connecter à votre téléphone. Retrouvez un appareil perdu avec l'aide d'une autre personne. Vous pouvez partager la position de vos appareils avec d'autres personnes. Si un appareil s'égare, vous pouvez obtenir l'aide d'une autre personne pour le rechercher à proximité. Partage. OneUI 4.1 vous offre encore plus de façons de partager avec les autres. Partagez votre réseau Wi-Fi. Utilisez QuickShare pour partager votre réseau Wi-Fi actuel avec une autre personne. La personne avec laquelle vous le partagez pourra se connecter automatiquement sans avoir à saisir le mot de passe. Ajoutez l'historique des modifications lors du partage des photos et des vidéos lorsque vous partagez des photos et des vidéos avec QuickShare. Vous pouvez ajouter l'historique complet des modifications afin que le destinataire puisse voir ce qui a été modifié ou revenir à l'original. Partagez des astuces avec les autres. Avez-vous trouvé quelque chose d'utile dans l'application Astuces? Appuyez sur l'icône Partager pour l'envoyer à une amie. Plus de fonctionnalités et d'améliorations. Palette de couleurs. Personnalisez votre téléphone avec des couleurs uniques selon votre fond d'écran. Votre palette de couleurs personnalisée est désormais disponible dans plus d'applications, y compris celles fournies par Google. Suggestions intelligentes. Votre Galaxy est devenu beaucoup plus intelligent. Lorsque vous commencez à ajouter des événements à votre calendrier, votre appareil vous suggère un titre et une heure en fonction des messages textes et des autres activités sur votre téléphone. Vous aurez des suggestions similaires dans les applications calendrier, rappel, clavier, messages et autres. Supprimez les ombres et les reflets dans Edit Photo. Les ombres et les reflets sont automatiquement supprimés lorsque vous utilisez l'effaceur d'objets. Ajoutez des emojis à votre calendrier. Outre les autocollants, vous avez désormais la possibilité d'ajouter des emojis à une date de votre calendrier pour exprimer vos sentiments. Prenez des notes rapides pendant la navigation. Gardez la trace de vos sources grâce aux nouvelles options de découpage de Samsung Notes. Vous pouvez ajouter du contenu provenant de Samsung Internet ou de la galerie lorsque vous créez une note à l'aide du volet des raccourcis ou du volet E accent aigu C en la détache. Choisissez des applications pour la correction du texte d'un clavier Samsung. Choisissez les applications que vous souhaitez utiliser pour la correction automatique de texte. Activez-la dans les applications d'écriture pour vérifier l'orthographe et la grammaire et désactivez-la dans les applications de messagerie où vous souhaitez être moins formel. Options de clavier plus largement disponibles. Des mises en page de clavier, des méthodes de saisie et des fonctionnalités pour des langues spécifiques sont désormais disponibles dans plus de régions, de sorte que vous pouvez taper facilement où que vous soyez. Vous pouvez toujours revenir à votre mise en page précédente dans Paramètres. Personnaliser votre équilibre son dans les paramètres d'accessibilité. Vous pouvez régler l'équilibre son gauche-droite en ce qui concerne les appareils connectés, tels que les haut-parleurs ou les écouteurs, indépendamment de l'équilibre son des haut-parleurs de votre téléphone. Ce réglage vous permet de profiter de l'équilibre parfait de vos écouteurs sans altérer le son de votre sonnerie et de vos haut-parleurs. Nouveauté concernant Bixby Routine. Il vous est désormais possible de créer des routines qui modifient votre cadran ou activent des paramètres avancés comme la protection de la batterie. Personnalisez votre mémoire virtuelle. Sélectionnez la capacité de la mémoire virtuelle de votre téléphone à l'aide de la fonction RAM plus disponible dans la section maintenance de l'appareil. Sélectionnez plus de mémoire pour optimiser les performances, moins pour économiser l'espace de stockage. Fonction de gestion du rendement fondée sur la température de l'appareil sera maintenue. Une gestion alternative des performances de jeu dans Game Booster sera fournie. Pour en savoir plus. Alors, est-ce que vous pensez que ça, c'est une mise à jour? Moi, je pense que vraiment, c'est une très grosse mise à jour. On va tout de suite l'installer et je vous fais un petit retour tout de suite après. C'est parti. Installer maintenant, bouton. Mise à jour système d'endroit. 0%, barre de progression. Mise à jour du système endroit.
Préparation de la mise à jour en cours. Allez, donc la mise à jour est partie. Ça fait partie vraiment des très grosses mises à jour Samsung. Dites-moi en commentaire si vous avez hérité de cette mise à jour sur votre Samsung. Actuellement, je l'ai mis sur le Galaxy Fold 2. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner. Actuellement, on est en train d'installer cette mise à jour sur un Galaxy S20 Ultra. C'est parti, on se retrouve quand la mise à jour sera terminée. Allez, donc ça redémarre, on va tester cette toute nouvelle mise à jour. J'espère que cette vidéo vous plaît pour l'instant. Alors j'espère que la fluidité sera au rendez-vous, le Bixby, le décrochage automatique à la voix. C'est parti, je pense qu'on va avoir pas mal de choses au niveau des nouveautés. One UI 4.1 les amis, c'est parti. Alors attention pour cette mise à jour, il va falloir compter à peu près une bonne dizaine de minutes pour que votre téléphone soit correctement mis en place. Voilà, donc la mise à jour est enfin terminée. On va déverrouiller notre téléphone et on regarde comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, que nous réserve One UI 4.1. C'est parti. Votre téléphone a été mis à jour. Connexion au serveur. Mise à jour du logiciel. Votre téléphone a été mis à jour en dehors de la page. Synchronisez vos photos sur OneDrive. Connectez vos comptes Samsung et Microsoft pour voir si vous êtes éligible au stockage gratuit. OK, bouton. Écran d'accueil One UI. Le pou dans la page. Voilà donc comment mettre votre Galaxy ici, le S20 Ultra, à jour avec One UI 4.1. Pas mal de petites nouveautés sympathiques. On va vérifier le côté accessibilité, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a plus de fluidité? Est-ce que notre Samsung tournant sous Android 12 One UI 4.1 va rivaliser avec un iPhone? Je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et surtout, on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous !